Ça pleut, hein? Oulala! Pas eu le temps de tendre toutes les cannes encore. Que c'est déjà la grosse flotte, hein? Je reste un petit peu à l'abri parce que j'aime pas trop commencer une pêche comme ça d'une journée trempée, tu vois. Donc j'ai juste tendu une canne, là je suis en train de fignoler la deuxième, tu vois, on va la lancer. Je reste au sec, je fais mes montages pendant ce temps. Et quand ça se calme un petit peu, hop! Relance! Bon, on espère que ça va craquer les picheurs. Deuxième départ, les gars. Oh, le doublé. Je commence pas mal, hein? Eh ben c'est le doublé, les pichons. C'est le doublé. Ah ben tiens, pas contente. C'est la petite. C'est le deuxième départ là, qu'il y a eu. Heureusement qu'elle était pas grosse. Mais on va voir cette putain. Tiens. C'était l'épuisette qui se faisait la malle là, avec la carpe dedans, mon vieux. Il me s'est dégagé. Donc voilà, ça c'est le deuxième départ. Le poisson de 5-6 kg. Lui. Heureusement qu'il n'était pas plus grosse parce que. Il aurait pu foutre la merde, ça va. Ça c'est la troisième canne, parce qu'il n'y en a plus qu'une qui pêche. Non, ça doit être quoi. Donc voilà, c'est le petit poisson, ça fait super plaisir, ça chie de la bouillette à foise. Ce coup-ci, c'est bouillette épice. Est-ce que des bouillettes épices, j'en avais plus en stock. Donc j'ai fait un amorçage de 4 jours à l'avance ce coup-ci. 4 jours, tous les jours à la même heure, tous les jours que j'ai mis 1,5 kg amorcé. J'ai mis 1 kg coupé en deux à chaque fois. De la 20 mm, on a fait tout ça. Enfin, je sais pas ce que j'ai. Et là, elles sont à table. Elles sont passées à table. Donc du coup, j'ai dit, allez, il faut que je fasse plusieurs jours d'amorçage pour pouvoir les accoutumer sur celle-là. Ça a pas mal marché. Doublé en arrivant. Même pas une demi-heure de pêche, doublé. On est refait. On attend les suivantes. On attend les miroirs. Allez. Voilà le deuxième poisson. Enfin, le premier départ, en fait. Donc là, c'est un poisson d'une douzaine. Bon bidou. Ça a bouffé de la bouillette, ça chie de la bouillette à fond. Là, je vais vite la remettre à l'eau. Hein. Je vous la montre bien comme ça. Parce que du coup, elle est restée un petit peu dans. Heureusement qu'il y a de l'eau dans le fond. Parce que c'était bien un troisième départ. Triplé les picheurs. Allez, on la remet à l'eau. Cocotte. Bien belle, bien jouée.
conneries, hein, sinon je t'enlève tout court là. Voilà le troisième fish. Pareil, 10-11 kilos. L'autre, elle était bien lourde, la bouboule. Celle-ci, elle est un peu moins lourde. Une bonne longueur. Enfin, joli combat aussi. Ah, ça fait bien plaisir. Triplé de touche là. Ouh, ils aiment les bouillettes épices aussi. Hein. Puis ça en chie. Par contre, j'ai l'impression que la taille a réduit. Est-ce que ce ne serait pas les bouillettes fish quand même qui amènent les gros poissons à faire les réserves jusqu'à dedans? Et comme elles sont beaucoup moins riches, les bouillettes épicées. Mais bon, on va quand même pas se plaindre, putain. Trois fiches en une demi-heure. Magnifique. Allez, on la remet la cocotte. Et ben les picheurs là, trois départs en 30 minutes. Je sais même plus quelle heure il est. Mais on voit. Parce que j'ai tendu à 11h. Ça a dû passer plus d'une heure, ouais, c'est midi 10. Ouais, c'est ça, hein. Ça a mis une demi-heure à peu près, à peine. Départ, je combats la première. Vous avez vu le deuxième départ, qui était à la fin du combat, mais bon, elle voulait pas rentrer dans l'épuisette, cette saleté là. La panique à bord. Ah, ouh, ouh. Quand je vous présentais le poisson, les deux poissons sortis, et j'ai relâché la petite. Quand j'ai voulu vous présenter le poisson, ça sonnait, je croyais que c'était le courant. Non, c'était déjà une touche. Parce qu'en fait, elle prenait le courant et le fil, il faisait ça dans le fond. Donc ça tirait que dalle quasiment. Je me suis rendu compte que quand j'ai relâché la petite, après j'ai voulu filmer l'autre. Bim! Là, ça s'est mis à taper dans la canne, à dérouler. Ouh, je fais là, c'est vraiment une touche. Et bah oui, c'était bien une carpe qui était pendue au bout. Donc, triplé à peu près, quoi. La folie quoi, putain, c'est de la folie. Là, ils aiment les bouillettes à l'épice. Mmh, c'est bon, c'est des petites bouillettes. Donc là, on est là jusqu'à ce soir. Hein. Donc j'ai remis de la bouillette tout de suite. La chose que je fais cache, ça, hein. Je remets 2-3 poignées, pas plus. Hein. Bien étalé, comme je fais mon amorçage. Et puis, on voit ce que ça veut donner. Hein. Mais là, à mon avis, ça va repeter. Quand ça part comme ça. Ça sent la journée phénoménale, tu vois. Mais bon, on aimerait quand même faire une petite miroir. Hein. Parce que c'est un peu l'objectif de cette fin d'année. Taper une miroir, on saune. Bordel. La technique, bah, je vous ai dit. J'ai essayé vraiment de faire quelque chose de propre et puis de suivre les horaires. Ça faisait longtemps, je m'étais dit, avant on parlait tout le temps, faut amorcer à telle heure, machin, dans les canaux, ça marche bien comme ça. Les étangs, ça marche pas mal, mais les rivières... Sur ce secteur, du moins, ça a l'air de pas trop mal marcher. Parce que donc, d'habitude, je pêchais à la bouillette fiche. J'ai amorcé à chaque fois un jour, une fois, deux fois à l'avance, que j'ai pas trop eu le temps. Bon, j'ai fait des bons résultats, mais beaucoup de, bah, pour moi, de gros poissons, hein, plus de 15 kilos, c'est des gros fiches. J'ai fait que très peu de petits, une de 10 et une de 4. C'est tout. Après, le reste, c'est, ouais, c'est 15, quasiment, à quelque chose près 15 ou plus de 15 kilos. Et là, bon, bah là, voilà, hein, c'est poisson 5-6 maximum. L'autre faisait à peu près 12 parce qu'il y a un bon bide et l'autre faisait 10-11, un peu plus légère, même si elle était massive. Donc ça fait des poissons un peu plus petits. Bon, peut-être le hasard des choses, hein. Forte chance, même, hein, mais bon, on va continuer. De toute façon, vu que j'ai plus de bouillettes fiches pour l'instant, faut que j'enroule, j'ai pas le temps. Il me reste un bon paquet de bouillettes épices. Donc, de toute façon, je vais pêcher avec les bouillettes épices pendant un moment ici. On verra si vraiment les poissons réduisent en taille, je fais plus de touches, enfin, je sais pas, après je suis peut-être tombé sur un banc là, et du coup il y a les petits sont jetés dessus, on verra bien. Pour la technique, voilà, donc avec la bouillie de fiche, j'ai amorcé une fois ou deux à l'avance, je revenais de temps en temps, ça faisait un roulement un peu, hein. Mais j'en mettais pas beaucoup, et là pareil, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Et là du coup, vu qu'il fait un peu, le froid commence à arriver, mais bon, on a encore des redoux, de toute façon, là, on a encore la pêche à la carpe, à fois, ça va dérouler encore. Hein. Je me suis dit, allez, je fais, vu que je change de bille, je fais un gros amorçage. Je coupe tout en deux parce qu'elle était encore forte, là, ça va mieux, elle doit être à peine 300 maintenant, en dessous de 300 mètres cubes. Mais elle était à plus de 300, donc je me suis dit, je coupe toutes les billes en deux. Allez, et je fais 1 kg tous les jours, donc 4 kg de billes, vu que j'ai fait 4 jours. Et avant d'aller au taf, donc à 12h30, avant d'aller au taf, je venais là, bim, j'étalais mes billes.
ou à la fonde, puisque je pourrais excessivement loin. Et hop, je rentrais les 4 jours comme ça, et là le jour J arrive. Et je suis pas arrivé encore à midi et demi. Là les départs sont pétés donc vers 11h30, tu vois. Donc ça se trouve vers 1h, 1h, 14h, ça peut bien être le déluge. On va voir si vraiment ça va enclencher des touches. Bah, pour l'instant c'est quand même dans la zone horaire. Hein. Et si ça fait vraiment beaucoup de départs encore dans les horaires où j'amorce, ça voudra dire que amorcer à horaire fixe peut être bon en zone. Mais ça on va y tester sur d'autres endroits. Sur plusieurs pêches, on ne peut pas affirmer ça sur une pêche comme ça, que peut-être un coup de cul ou machin, on sait rien. Ouais. C'est à revoir, ce système d'horaire. Hein, on va regarder ça, on en reparlera dans les vidéos futures. Allez, maintenant, je vais bouffer aussi, parce que j'ai la dalle et je me suis acheté plein de trucs. Allez, au menu, les gars, on se fait chauffer 2 petites quiches Lorraine. Il faut préchauffer le petit poêlon. On va mettre ça dedans. On va voir si les cartes nous laissent manger. Regardez ça, c'est pas beau? Hein? Allez, j'arrête de faire le con! Bon, on a vu un beau départ en direct. Hein. J'étais en train de filmer mes petits décors, là, tranquille. Mes petites branches, mes petites gouttes d'eau. Et puis, d'un coup, là, démarrage. Donc, j'en ai profité pour filmer ça. Ça s'est mal fini. Encore une fois, troisième décroche. Enfin, là, attention, on n'est pas du tout sur le même genre de décroche. Hein. Il y avait une pourriture de bout de bois que j'avais moi-même ramené au bord, ce qui me faisait chier, il était dans l'eau. J'ai ramené sur le bord, il n'y avait plus que quelques branches qui arrivaient à aller dans l'eau. Je me fais chier, jusqu'à maintenant, comme une de 7-8 kilos à peu près. Alors, elle part sur la droite de saleté, elle fait un tour de la branche comme ça. Pitié, c'est saleté. Hop, elle a mis un rush et s'est barrée. Et puis j'étais là, moi, avec mon montage. Super. À cause d'une branche à 50 cm du bord. Putain. De quoi briller ? La branche, pour énervement, je l'ai pris. Parce que c'est un arbre, hein. Un arbre, c'est Hulk. Ah ! Le petit machin, je t'ai tiré, saloperie. Bah, putain, tu me feras plus chier. Je me suis tué 3 km plus haut, bordel de cul. Bon allez, maintenant on attend un autre départ pour vous montrer un autre poisson. Putain. Bon ben nous voilà pour le 4. La 4 là. C'est pas gentil parce qu'il me trempe la gueule. Bon ben je disais que avec les pistes faisait du petit poisson. Voilà. Ça se pas faire la cocotte. Là, ça n'est pas magnifique. Donc là je vais la peser, mais c'est un poisson de 16-17. Blaise, quatrième départ. Ça va enchaîner aujourd'hui, je le sens. On prend la flotte sur la gueule, des petits points calmes comme là, tu vois, plus d'eau, c'est du bien. Je vais être trempé, mais heureux. Pêche pluvieuse, pêche heureuse. Il y a un départ qui se produit là. On la remet à l'eau. Thank you.
les pêcheurs, la pêche se termine. Je reste encore une demi-heure, je commence à ranger mes affaires, parce que c'est pas mal trempé quand même, ça fait chier. Résultat, bah, y a eu un dernier départ, un départ comme les autres, quoi. J'ai pris la canne dans le vide. C'est vachement mitigé cette pêche quand même. On peut être content quand même d'avoir fait 4 poissons, 8 départs, mais il y a eu une décroche donc, qui se fait cache, hein. Ça a combattu 30 secondes. L'autre décroché limite devant l'épuisette. Donc ça c'est des à voir, peut-être des poissons qui sont mal piqués. Du coup vu qu'il y a eu un triplé de départ dès le début, est-ce que ça y a quand même pas foutu un coup de stress? C'est possible. Puis bon, il faut que je revoie aussi mes montages, hein. De toute façon, il faut toujours revoir un peu ses montages. Et puis l'autre, ben, elle s'est décrochée, ça, elle aurait pas dû se décrocher celle-ci. C'est à cause de ce bout de bois là. C'est tout bout de bois de merde là. C'est lui, le fautif. Saligo. Du coup, voilà, celle-là, qui n'aurait pas dû. Et puis, ben, la dernière, ben, voilà, c'est carrément même pas de piquage. C'est... Pourtant, il y a eu un départ, vraiment le départ. Je prends la canne. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est tout mou. Il n'y avait rien du tout. Puis là, ça s'est arrêté. Ça va faire une heure. Plus d'une heure, ben, ça s'est arrêté. Donc, on va attendre encore une bonne demi-heure. Et puis... on verra. On est en train de monter un petit peu. Là, la saune charrie de plus en plus. Ça sent. Ça commence à tirer dans les fils. Il va falloir équiper les plombs de 250. Putain. Donc voilà pour le bilan de cette pêche. 8 départs, 4 poissons sortis. C'est une belle quand même qui fait dans les 17 kilos. Et l'autre, la deuxième était très jolie aussi. Un peu boule avec de belles couleurs. Ça fait quand même bien plaisir. Mais je suis un peu mitigé. Avec mes 4 jours d'amorçage. Voilà. Après. Les horaires, ça m'a l'air pas trop mal. C'est à retester. Je vous en reparlerai. Parce que là, c'est quand même parti vraiment autour des midi et demi. Hein. C'était tout entre 11h30 et 11h40, ça a commencé. Et ça a fini. Il y a eu donc 5 départs jusqu'à donc 13h. Et après, j'ai eu 3 autres touches avec 3 quarts d'heure d'intervalle. Par contre, que sur la droite. Donc peut-être parce que l'amorçage descend petit à petit. Ce qui est sûr, ça. L'amorçage descend. Alors, peut-être qu'elle le suit. C'est qu'une supposition. Nous allons continuer de faire des amorçages avec suivi horaire. Bon, allez, sur ce, moi j'ai fini de plier. Au cas où je vous remonte si je fais un fiche, mais ça m'étonnerait là. J'ai l'impression que c'est devenu off d'un coup. Allez les gars, allez à la piche, portez-vous bien. Salut les picheurs. Tadam ! Me revoilà ! Comme souvent sur ce poste, petite carte surprise, la carte bonus. Le 9e départ, bon au moins, je l'ai sorti. Et c'était la canne de droite, encore une fois. Un poisson d'une dizaine de kilos. Pour finir, super couleur, une petite torpille. C'est un joli départ, un joli petit combat. Joli petit combat, on sent quand même que l'eau se refroidit, hein. Moins de nerfs. Là, je suis en train de plier, là j'avais une canne que j'avais déjà pliée. J'ai plié le broli, tout le bordel. Je partais. Il restait deux cannes, j'ai dit allez encore 10 minutes. Les 10 minutes, tu vois, je fais le poisson supplémentaire. Voilà. Donc on finit avec 9 départs, 5 poissons sortis. Et puis 3 décroches à la con et un ferrage dans le vide. Un petit peu mitigé, mais quand même une superbe pêche à la bouillette épice. Allez, ce coup-ci, je la relâche et je rentre. Salut les pêcheurs. Thank you.